On continue avec ces mannequins africains qui ne cessent de célébrer la beauté de la femme noire dans le monde. Vous vous souvenez de cette séquence? Elles font la fierté du continent africain. Ces mannequins à la peau d'ébène ont su élargir les frontières de la mode arrêtées en Occident. Les fines lignes de leur silhouette et les traits marqués de leur visage ont redéfini les critères de la beauté féminine dans le monde. On enchaîne avec Katusha Nyan. Une démarche féline, des yeux de chat étirés jusqu'aux tempes, un port de reine, Katusha fait partie des top modèles noirs ayant ouvert la voie à tant d'autres. Vous vous sentez différente des autres femmes? Oui, parce que je sais que j'ai une ablation quelque part. Mais j'arrive à incarner la féminité quand même, non? Je sais pas. Née le 23 octobre 1960 à Conakry, en Guinée, Katusha Nyan, dite la princesse Peul, est la fille du brillant historien Djibril Tamsir Nyan, qui, lorsqu'elle a 9 ans, ordonne qu'elle soit excisée. En 1977, elle est enceinte et se voit mariée de force. Katusha a 17 ans. Elle décide alors de quitter l'Afrique avec sa petite fille et de s'installer à Paris au début des années 80. Sa mère lui dit alors « Tu finiras pute, Rue Saint-Denis ». Thierry Mugler lui offre son baptême de podium. Katusha décroche la couverture de Vogue. Les plus grands couturiers s'entichent de cette silhouette longiligne. C'est l'époque des grandes fêtes, des soirées au bain-douche. Sa carrière prend une dimension internationale. Les créateurs américains Donna Karan, Calvin Klein, Ralph Lauren l'engagent. Puis, Katusha reçoit un coup de fil de son agent. Le maître de la haute couture, Yves Saint Laurent, décide de la rencontrer. Elle devient son égérie. Dans les années 90, sa carrière de mannequin marque un pas. Katusha revient en Afrique. Les brûlures des mauvais souvenirs se sont estompées. Elle tente une reconversion de la mode en créant sa propre maison de couture en 1994. La même année, elle présente sa collection Katusha lors d'un défilé de mode à l'Espace Cardin à Paris. Elle se retire définitivement des podiums en 2001 et se consacre à ses activités de styliste. En 2006, elle retourne en Afrique, à Dakar, et crée un concours de beauté, Miss Ebène Top Model, qui vise à détecter les futurs Katusha du continent noir. En 2005, elle fut l'une des plus grandes vedettes de l'émission phare de M6, Top Model, où elle se charge de guider, de conseiller, de coacher des jeunes filles candidates de Top Model 2005. En mannequin expérimenté, elle a transmis à ses filles les astuces de ce métier. Suivie par des millions de téléspectateurs, l'émission fut un véritable succès. En septembre 2007, Katusha publie dans Ma Chair un livre témoignage où elle raconte son excision et les souffrances psychologiques que cette mutilation a entraînées. Mariée 3 fois, mère de 3 enfants, Katusha meurt accidentellement noyée dans la Seine, près de son domicile à Paris. Son corps a été retrouvé près du pont de Garigliano le 28 février 2008.